mutamwe mpwanani dadandela mutamwe mpwanani bakalaria mababinda mana yanete yanete mabuire Obina manankampa ya shisabambu tangana nchadiamburi kuizanta binsamwe Obina manankampa ya shisabambu tangana nchadiamburi kuizanta binsamwe imene Webina manangampa ya shisaba mbuta angana chandia mbulu kuzanda binsamwe. Bon, moi c'est Jacques Le Bello, artiste, comme vous savez. Je suis ici à Forum, Radio-Télé Forum, Droits de l'Homme, de Maître Tchassé. Mais moi je vous dis que... Je suis là. Ceux qui pensent que je ne suis pas là, ben je suis là, à Forum. Et Forum, c'est super. Kumbuli kumbule, talatinge nkongo kwaku Kumbuli kumbule, ananzambi boka zulu Cheto boya ilamana, anzambi boka zulu Cheto boya ilamana, anzambi boka zulu Mukili na biso ya salama boye, zambi alinga boye Mukili ya salama boye Forum Moi j'aime Bienvenue à toutes et à tous Nous allons débattre toujours sur l'affaire de la vente ou de la cession de nos terres, les terres du Congo. Et je voulais vous signaler également que l'invité que je devais avoir, Laurent Sokoko, l'entrepreneur angolo-congolais, est indisponible. Il n'a pas pu atterrir à Paris. Où nous devions faire cette émission. Malheureusement, nous allons peut-être la faire après mon séjour à Genève, où je dois également intervenir pour parler du rapport présenté par le Congo dans le cadre de la procédure de l'examen périodique universel. Vous savez très bien que le Congo va être entendu sur ce rapport que nous jugeons déjà comme un rapport faire valoir car il est décousu, c'est un tissu de mensonge. Le moment venu, nous allons décrypter ce rapport qui nous fait honte parce qu'en fait, le Congo n'est pas un État crédible, c'est un État voyou. Ce n'est même pas un État qu'on peut dire de droit, étant donné que nous savons que c'est l'état de l'oligarchie, c'est un pays de non-droit. Donc c'est pour cela que nous n'allons pas aujourd'hui aborder cette question, parce que ce qui nous intéresse, c'est faire suite justement à l'actualité brûlante. Moi, je suis chrétien catholique, croyant pratiquant, et puis... Dans un être séminariste, il y a diocèse, il y a Mbandaka, Bikoro, où il y a un évêque, il y a un cardinal, monseigneur, Etchou, Frédéric, Etchou, Nzambi, Mamou, Wabi. Et recteur, il y a un papa, père, Ekoubou, le tonnerre au Bengaye. Il y a un colis, pratiquement une église catholique.
moni nalandi ya lobiki azaki séminariste moni biso ba séminariste tozali na comportement na biso mombo tozala kana OK et ata soki olongwa mais au ressenti soko tali oh moto ya likana séminaire et biso na ba comportement ba d'université ça c'est un déjà de deux pour na kozala prophète ezaka na courte. Hein, ils ont la courte. Tombola qui va prophète, donc va prophète Mahomet. Mahomet attend la courte. Et qui prophète était. Hein, Mahomet attend la courte. Hein. Au moni, bah, Denis Lessi, bah, comprenant peuple congolais, azali faible d'esprit. Et quand, on comprend du mot, azali faible d'esprit, aux en a facilité à vous manipuler. Nige ba denile si ba joua kana peuple congolais. Ça dit que ayebi ke tango na zo loba, ba to baza ba faible ya esprit, na ko manipule ba ngo boye, boye, boye. Parce que modoloka denile si, ako ko manipule ngate. Nga so na senga ke deba, ako e langa na televizyo te balo ba ke, moi je suis docteur en droit, moi je suis licencié à beauté. Ah, kwe sa yo. Non. Et puis alobe a sala ma mwa minine, ato ndi sa ba sta de martyr plusieurs fois. Non, wana zali faux deba. Moi je suis commerçant. Na bandi na sali société na ngai sokoko na 1999 sokoko e boti ba domaine d'intervention. Et tongeli nga ba résidence, et tongeli nga ba hôtel, ba port, ma station, ma kamo ibele bele. Ça dit que na réussir quelque part. Na réussir na domaine nanga. Parce que, tant qu'on a lobby que aya na débat économique, il accepte que moi, je suis économiste de formation. Mais j'ai appris, moi, je fais na sali gestion, na INAPEM. Aya, y'a lobby aza économiste. Aya, tout ça na débat. Toko luka sige, luka sikoyo. Ça dit que kolobat au moins ta télévision tolobaka bato balandaka biso babi ke mutoyo mutune yo sa bien te mutoyo azolo bapona bo ngai nazana ajte ya kokosa nga nazali poli nazali éduqué na utina maboko ya mama na ngai na kemba na mwana maboko basango basango bazwinga maboko linga ti na bimi na maboko basango tilone na zali bo moi ba place nga na lingera mi moi ta ona mona banzete ba pelouse tout ça mo bandeke bandeke l'église catholique ezalaki mingwana l'église catholique ezalaki mingwana ça dit que biso toza na comportement na biso mingi to viva l'église catholique moi na yoso oyo auti na séminaire moi na yoso oyo auti na internat azaka na comportement na ye yango pe denile sazana ngo non denile sazana comportement ya biso ba séminariste te azana comportement ya biso ba séminariste biso ba séminariste tozana comportement na biso leli bazotuna tozala ki annonce mais tozo mona na te qu'est-ce qui s'est passé ah oui parce que tant tozala ki annonce na ki ozela ba réaction diplomatique OK ya côté ya ngambo ba agir ba koka ki ko agir te et na moni que je suis dans les bons donc on a naïe de l'opin à quoi non c'est ma maman sous quoi ok côté angambo en fait de tobeta ma solomi guia laurent soko quoi l'obélara a des voilà ka ou encore ba alliance ou yo encore ba objectif aux a fixé entre le Rwanda et le Congo Brazza bako oyo Rwanda isinya na Congo Brazza et sur ce tout monde ba bande kwa Congo Brazza oyo baza plus na ngambo ya Denis Christelle bande kwa benga ki biso pona ko sala droit de réponse mais jusque là il y a rien oyo salama donc on ne sait pas il y a Laurent Sokonde ya lobby makambozo lo ba aza sur la bonne voie il y a Laurent Sokoko où en sommes-nous avec cette alliance auto qui le lot entre Denis Christelle et Corneille Nanga oyo komi rebelle aujourd'hui. Ok, merci beaucoup, Madame Mboyo. Moni, tant on a za ko beta mbela na makambo ya Denis Christelle. Ok.
bato bazozwa likambo wana lokola liseki mais mokolo bato ya ko comprendre nina kakanisi si chaque pays kozwa ba disposition omoni économie ya France esimbami na Royaume Congo bato mingi bayebaka te parce que omoni génération oyo bazoya lelo okay. Il faut babanda kuyebaka makambo mingi parce que bato mingi bayebaka te économie ya France mbongo ya France eutaka na Royaume Congo surtout na pétrole okay. Angola Congo Brazza RDC yango de simbi économie ya France nazwaka tanangai ya kosolola na ba autorité ya elf oyo komi lelo Total na nzela ya Loïc Leflor azalaki DG ya elf aujourd'hui Total et moto a influencé qui va placer à placer qui va présider Belé en Afrique ya a expliqué un gars système où on a négé zalaka. Ça dit que moni France négé zawana a qu'on lâché RDCT a qu'on lâché Angola a qu'on lâché Congo Brazzaville mais biso ba habitant ya ba ressortissant ya Royaume Congo il faut tous à la prudent et puis totalement di kambo ezui Angola population nyonso ya Royaume Congo il faut batelema di kambo ezui RDC population nyonso ya Royaume Congo il faut batelema di kambo ezui Congo Brazzaville Cameroun RCA Rwanda Burundi Soudan du Sud tout ça il faut population nyonso ya bantu ya Royaume Congo il faut totalema loyo nanga sali alliance na ye alliance ya fleuve Congo ezali clair fleuve Congo ezawapi fleuve Congo ezali na Congo Brazzaville fleuve Congo ezali na RDC fleuve Congo ezali na Angola fleuve Congo ezali na Centrafrique Maiwana oyo Rwazi na Nkuvu abandé ko konté nango bandé ko benga ngo nzéré ngo déjà moi na moko ya mayuana ya nzéré akéi côté kamboka côté kamai pa banélotique oyo baza ba bantouté alobi na sali alliance na s'associer na ba nélotique azali moto ya kobumayé nanga azali moto te ke ova na neto luka oyo to negocier na nanga te nanga azali moto ya kolukotia makokoki partout po ba bomaye ba organisation ba droit de l'homme ezali ba permettre droit de l'homme soki ezalaki ya solo na monde okay. Soki droit de l'homme ebande ko existe na monde ya solo e batali makambo ya 15 millions de morts oyo kufa na Congo tango droit de l'homme baza ko ignorer yango c'est-à-dire que droit de l'homme est alité. Boma reste tout à l'anassima. C'est ça. Hein? Ou bomi d'abord, bomi de reste. Est-ce que nanga, moutou ya nanga, ils ont la valeur ya koleka 15 millions, de plus de 15 millions de morts au bas. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Orome FM, 105. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.5 vous fait voyager. Maintenant. Merci donc à toutes les auditrices et tous les auditeurs qui nous ont suivis dans cette affaire qui concernait Madame Stéphanie Mbombo Mwamba. Et d'ailleurs, je remercie aussi notre chroniqueur Elvis Capou qui a également abordé dans le même sens, où nous savons très bien que
le vieux de Yo, a brillé par d'ailleurs sa bonne réputation de l'homme des femmes, pour ne pas dire ce chaud lapin. Là n'est pas donc le problème. Pour ne pas anticiper sur l'émission que nous allons faire avec Laurent Sokoko, il s'agit de vous parler d'une femme qui est l'une des hirondelles du Rwanda. Cette dame s'appelle Yvonne Mubilingi. Donc, dans nos investigations, nous essayons de vous donner quelques accords également qui ont été signés et qu'on ne veut pas diffuser à l'opinion publique nationale ou internationale. Parmi justement ces accords de vente de terres. Parce que je vais vous dire une chose, c'est que vraiment tout le gouvernement est responsable, tout le gouvernement est coupable. C'est pour cela qu'il n'arrive pas à s'expliquer. Et là, nous sommes, grâce d'ailleurs à Laurent Sokoko, j'ai eu suffisamment d'informations sur ce que les Rwandais ont pu faire, notamment avec aujourd'hui cette dame Yvonne Mubilingi, qui est responsable de la société Stonegenix SAS, à qui on a attribué l'autorisation d'exploitation de petites mines d'or dites Kangamitoko dans le département de la Sanga. Souvenez-vous, lors de la signature des accords à Kigali, Denis Christelle Sassou Nguesso avait parlé de ces accords. Alors, vous voyez en bas le nom de Madame Yvonne Mubilingi, directrice générale de la société Stonegenix SA, date du 9 juin 2022. Alors, donc ça c'est l'arrêté signé par le ministre Pierre Oba. Vous voyez donc à votre droite de l'écran, on met Kangamitoko. Voilà. La société Stonegenix SA, domiciliée 10 avenue Gouverneur Général Bayardel à Brazzaville. Le téléphone y est aussi, comme vous le voyez. Alors, ça, c'est sont les délimitations du terrain, parce que l'article 1er, vous avez vu, l'article 2, il mentionne bien les 115 km². Ce sont les limites géographiques du terrain qu'on a donné à Madame Yvonne Mubilingi. Et nous allons vous parler d'elle parce qu'elle joue un grand rôle justement dans le dispositif de la cession de nos terres ou de la vente de nos terres. Parce qu'elle est très proche de Kagame. En tout cas, c'est elle qui dirige les grandes sociétés qui se trouvent au Rwanda, à Kigali. Je vous la présenterai tout à l'heure aux côtés de Paul Kagame. Voyez donc, cet arrêté a été signé à Brazzaville le 26 juin 2023 par Pierre Oba. Ce n'est pas un faux. Donc voilà. Et là, nous avons ces accords, justement, comme vous voyez, avec le dispositif vert, jaune-rouge. Malheureusement, en tout cas, les Congolais ne sont pas au courant de cela. Voilà les 115 km² attribués à la société de Madame Yvonne Mubilingi, en fait, de la société de Kagame, parce que Madame Mubilingi n'est que la gérante des affaires de Kagame, l'une des gérantes. Parce que je vous ai dit, c'est elle qui dirige également la zone de Maluku très chaud. Donc, quand on parle de l'acquisition des terres ou la cession des terres, en tout cas, il y a des gens qui dirigent cela. Et c'est donc parmi cette dame-là, la plus importante. Et vous voyez, sur la carte, je vous montre la carte du Congo et la zone qui a été attribuée justement. Et ce n'est pas toute la zone en noir, mais la zone demandée, elle est ici. Donc les 115
kilomètres carrés se situe ici dans la Sangha. Vous savez bien, la Sangha a une très grande superficie et près de 55 000 kilomètres carrés, je pense. Je veux bien me renseigner parce que mes souvenirs sont... Vous voyez donc la superficie de la Sangha qui est de 57 788 km carrés. On a donc donné 155 km carrés à la société dirigée par Madame Yvonne Mobiligi. En fait, c'est la société de Kagame. Bon. Et ça, c'est... Et nous faisons des recherches pour mettre à la portée du public des véritables informations, des informations qu'on nous cache. C'est pas les aboyeurs qui viennent faire des interviews sans mener des enquêtes, ils viennent parler des choses qu'ils, parfois, qu'ils ne connaissent pas. Bon, écoutez, vous avez vu, certains hommes politiques se sont réveillés. Je les cite, notamment Mathias Nzon sur l'affaire des terres. Et personne ne parle justement de la concession qui a été faite dans la Sangha. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en parle, mais il faudrait maintenant que les gens fassent le relais. C'est ce que nous voulons. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes connaissances. Nous n'avons pas tous la même perception des choses. Il y a des gens qui jouent le jeu du pouvoir, justement, qui connaissent certaines informations, mais qui ne les mettent pas à la disposition du public. Donc voilà, je voulais vous parler de cela, parce que vous avez suivi, parce qu'il faut bien approfondir la question. Et là, c'est la première partie. Et puis d'ailleurs, j'attends mon invité de marque, qui est Laurent Soukoko, qui va également nous apporter quelques éléments sur cette dame, cette hirondelle de Kagame. Ça devient passionnant! Passionnant! Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Moi, j'aime! Forum, la radio de droite. La radio de droite. Forum FM 105.8. Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum. Forum FM 105.8. Oh, Maurice, génial. C'est génial. Parce qu'il faut dire que ce holding qu'elle dirige, c'est un acteur incontournable de la vie économique rwandaise. Et c'est elle qui également dirige la communication au Congo. Vous voyez, elle est partout. C'est une puissante machine dont les actifs sont estimés en interne autour d'un demi-milliard de dollars, comme je l'ai dit. Donc, il faut dire que nous devons mener des recherches, des investigations correctes, mettre à la portée de tout le monde, et également ne pas faire la désinformation, ne pas faire le jeu du pouvoir. Parce que tout ce que le gouvernement peut faire, ou tout ce que même le Parlement peut dire, c'est n'importe quoi. Parce que je ne vois pas, je ne comprends pas pourquoi le Sénat ne peut pas sanctionner, ou plutôt le Parlement ne peut pas sanctionner un gouvernement. Pourquoi il ne peut pas appeler Christelle de s'expliquer? C'est d'abord la première des choses. Christelle, tout le tapage médiatique qu'il fait, c'est n'importe quoi. Je vous demande de diffuser ce que nous vous présentons. C'est ça qui est important, c'est ça qui est probant. Le forum, c'est la voie de la vérité. En tout cas, je remercie une fois de plus nos évêques qui ont été courageux justement pour reprendre la main et également redresser les choses. Parce que tout le monde a été mis pratiquement... tout le monde a été induit en erreur par rapport aux documents qui n'ont pas été présentés. Et nous faisons des recherches pour présenter ces documents. Donc ce document que vous venez de suivre, c'est l'arrêté signé par le ministre Pierre Aubin qui attribue donc une concession de 115 km² dans la Sangha et personne n'en parle. Voilà. Et nous allons découvrir et nous allons vous faire passer cela. Ce sont des documents qui existent, que les dirigeants rwandais ont. C'est normal qu'ils le revendiquent. Ce qu'ils ont obtenu gracieusement, il faut le dire, parce qu'il n'y a pas de vente
qu'on ne vous trompe pas. On n'a pas donné un seul franc. Il n'y a pas un seul franc. Je vous mets au défi. N'embrouillez pas les gens. Donc les Congolais, faites attention. C'est une cession. Ce n'est pas une vente. Il n'y a pas d'argent. Il y a des gens qui disent, oui, ça pouvait s'approcher de Tshisekedi pour avoir un prénom. Ça a suffisamment d'argent. Et comme d'ailleurs son fils, Denis Christel, Denis Sassou Nguesso, nous l'avons publié dans notre ouvrage. Les avoirs qu'ils ont à l'extérieur. Ces avoirs dépassent plus de 30 000 milliards. Je dis bien plus de 30 000 milliards de francs CFA. C'est-à-dire deux fois plus que ce qu'ils avaient déclaré, soi-disant, la réserve pour les générations futures. Donc il faut doubler la réserve de la génération future qu'ils ont comme avoir personnel. Alors, nous menons des enquêtes. Et pourquoi on n'arrive pas à contredire ce que nous avons publié dans notre ouvrage que je vous présente toujours? Le forum, c'est la voix de la vérité. Si vous suivez le pipeau qui se passe dans d'autres chaînes et tout, c'est votre problème. Mais nous vous disons les vérités. Depuis que nous avons commencé cette affaire, depuis pratiquement décembre, nous avons commencé à parler de cette affaire des accords de Kigali. Nous vous avons présenté des images, mais personne n'a fait attention. Et là, aujourd'hui, nous vous avons présenté les accords, l'arrêté signé par Pierre Aubin, qui concerne justement les 115 km² donnés à une société pour l'exploration des mines. Et ça, c'est dans la Sanga. Ce n'est pas dans la partie sud. Et personne n'en parle. Alors, Congolais, réveillez-vous. Alors, je vous fais passer, donc, Denis Christel Sassou Nguesso. Lorsqu'il a signé ses accords, il vous a parlé de Cristal Ventures. De tous ces accords, il importe de distinguer les accords de portée générale qui ont pour objet d'établir la coopération dans certains secteurs, des accords spécifiques qui portent sur la réalisation de projets bien précis. Il nous convient aujourd'hui de porter notre attention sur les accords qui constituent la réalisation de projets spécifiques. À ce jour, nous en avons 5. Premièrement, la concession du parc industriel et commercial de Maluku. Les travaux qui sont en cours actuellement portent sur la construction des routes par la société SGI, l'installation de 6 générateurs pour la production provisoire de 14 MW d'électricité. En outre, il est prévu d'ici à la fin de l'année en cours le redémarrage de 4 unités de production, à savoir l'usine de peinture, l'usine des emballages en plastique, l'usine des fils électriques et l'usine de production des cuves. La partie congolaise, notamment par le biais du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, a été saisie pour la réalisation des travaux de fourniture d'eau et d'électricité et le ministère en charge des télécommunications pour l'approvisionnement de la connexion Internet. Eu égard à ce constat, la fourniture de ces services par la partie congolaise constitue un point important pour le développement de ce projet. Deuxièmement, le projet relatif à la culture du ricin en République du Congo. Les travaux réalisés entre la société Cristal Venture Limited et le ministère en charge des affaires foncières ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari, de la Bouenza et du Poul. Il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 150 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet. L'expérimentation du projet sera localisée à Loudima, dans le département de la Bouenza. Un bureau d'études suisse est à pied d'œuvre pour réaliser les études de faisabilité de ce projet qui pourrait être bouclé d'ici la fin du mois d'août 2023. Par ailleurs, la société ENI est actuellement en train de procéder à des tests
pour détecter la meilleure semence à cultiver au Congo. Depuis deux semaines, des ingénieurs sont en train d'effectuer des tests de sol à Loudima. C'est au terme de tous ces travaux que la période d'implémentation du projet pourra être fixée. Troisième projet, le projet de développement agropastoral à Yamba, dans le ranch de Massangi. Une autorisation express d'occuper 11 000 hectares de terre au profit des fermiers rwandais a été délivrée par les autorités congolaises compétentes pour le développement de ces activités agropastorales. À Yamba, les premiers tests de rentabilité de la culture de maïs ont été réalisés avec succès et ce projet va se poursuivre à une plus grande échelle. Quatrième projet, le projet d'exploitation minière. Suite aux travaux menés avec le ministère de l'Industrie minière et de la géologie, la société Cristal Venture avait obtenu 4 permis de recherche et actuellement elle bénéficie d'un permis d'exploitation de la mine de Kanga Michopo, dont le délai d'exploitation va démarrer à la fin du mois d'août 2023. Le cinquième projet qui consiste à la réalisation du port sec de Dolisie, à ce jour n'a pas connu de développement particulier, mais nous avons bon espoir que dans les mois qui vont suivre, les deux parties vont entamer des discussions pour également faire avancer ce projet. De tout ce qui précède, il résulte que les projets retenus par les deux parties, à l'exception de celui relatif au port sec de Dolisie, ont connu un début d'exécution satisfaisant. La partie congolaise étant interpellée sur la fourniture de l'eau, de l'électricité et de l'Internet, va s'employer à apporter sa pierre à l'édifice sans laquelle le développement du parc industriel et commercial de Maluku ne pourra pas être effectif. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Monsieur le Ministre. On va procéder à la signature d'un accord. On invite le ministre du Commerce, ministre Ngabi Tsinze. L'accord signé et le protocole d'accord pour accélérer la mise en œuvre de l'accord sur la ZLECAF. Thank you, ministers. You may take your seat. Your Excellency, President Paul Kagame, Votre Excellence, Monsieur le Président Sassou Nguesso, we will now begin with the interaction with the press. Et sachez que vous venez donc de le suivre, mais cette société est la propriété du Front Patriotique Rwandais, le FPR, le parti de Paul Kagame. Parce que cette société a d'abord joué un rôle central dans la reconstruction de l'économie nationale. C'est pour cela que lorsque on donne Maluku très chaud aux Rwandais et géré par cette dame, ça fait partie justement du processus de néocolonisation. En fait, on vient nous exploiter. Parce qu'il faut dire que cette société a construit également des routes au Rwanda. C'est un grand holding omniprésent. Cristal Ventures, la face du business du FR Paul Kagame, comme l'avait écrit d'ailleurs à l'époque Jeune Afrique, je me souviens bien, dans un des numéros. Parce que le holding Cristal Ventures, en abrégé CVL, sert de caisse de secours de l'État. Ses actifs sont aujourd'hui estimés à plus de 500 millions de dollars.
en Centrafrique, au Mozambique, et encore au Congo. Vous comprenez? Donc, investir dans les secteurs des mines, comme je vous ai démontré tout à l'heure, de l'agriculture, ce qu'on veut faire au Congo, des infrastructures. Et vous savez bien, en RDC, ces projets miniers ont été abandonnés après donc la rupture des relations pratiquement entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Vous le savez bien. Donc, nous faisons des recherches pour mettre à la portée des Congolais des vrais documents, le vrai dossier. Pourquoi Sassou cache ces accords? Mais nous allons découvrir, grâce à nos amis qui sont des Rwandais, des Tutsis aussi opposants, parfois des Hutus, parce qu'il n'y a pas de démocratie. Contrairement à ce qu'a dit le cardinal qui a été nommé, c'est vraiment écœurant. J'ai lu ce que ce cardinal a écrit, a dit du Rwanda de son pays. Il s'agit d'Antoine Kambanda. Je vais vous faire passer un bout. Et d'ailleurs, on va consacrer une émission sur ça. Parce que ce n'est pas normal que ce cardinal puisse parler comme ça, dire les mêmes propos que le dictateur Kagame. Il ne fait même pas allusion, ne fût-ce que à son prédécesseur, Mgr Vincent Sengoudjouma, qui avait été assassiné par les soldats de Kagame, qui repose toujours dans une fosse commune à Kigali. Mais il va témoigner avec beaucoup de zèle pour dire que voilà, tout se passe bien au Rwanda et tout. Il parle le même langage. C'est la doublure de Kagame au niveau, si vous voulez, de la religion, quoi. Mais nous allons revenir sur cela parce que ça nous énerve. Et le pape François a fait de lui un cardinal, l'archevêque de Kigali. Parce que Kagame peut compter donc sur une force qui lui est entièrement, pratiquement dédiée au cœur du Vatican. Or, nous sommes tombés sur l'arrêté 8207 du ministère des Industries minières et de la géologie, que dirige justement le général, le ministre général Pierre Aubin. Lorsque nous parcourons cet arrêté, il y a des choses assez effrayantes. D'abord, la superficie qu'on attribue à cette dame, le site d'exploitation qui est mentionné dans l'article 2 de cet arrêté, fait état de 115 km². Donc, ce sont des limites géographiques importantes. 115 km². L'article 1er de cet arrêté, que je vous ai parlé, mentionne qu'il est attribué à la société Stonegenix SAS, domicilié, écoutez bien, domicilié 10 avenue Gouverneur Général Bayardel-Brazzaville, le téléphone est aussi mentionné, République du Congo, une autorisation d'exploitation d'une petite mine d'or dite Kangamitoko par une période de 5 ans, renouvelable dans le district de Swanké, département de la Sanga. L'article 2 mentionne que le site d'exploitation a une superficie de 115 km² et est défini par les limites géographiques suivantes. Bon, je ne vous les cite pas. L'article 3 dit « La société Stonegenix SAS est tenue de faire parvenir à la Direction générale des mines chaque fin de trimestre des rapports d'activité et de production. » L'article 4, qui est très important aussi, la société Stonegenix SAS doit présenter à la Direction générale des mines une étude d'impact d'environnement et social portant sur l'activité de production et de traitement de l'or avant l'entrée en production de ce site alluvionnaire. L'article 5 précise que la société Stonegenix SAS doit s'acquitter d'une redevance superficielle
par kilomètre carré et par an, conformément à l'article 9 de la loi numéro 24-2010 du 30 décembre 2010, mentionné plus haut. L'article 6 dit que la société Stonegenics SAS doit élaborer, avant l'entrée en production de ce site, un cahier de charges avec les populations locales de la zone concernée par l'exploitation pour réaliser des projets de développement communautaire durable. L'article 7 précise que la société Stonegenics SAS doit tenir un registre journal des quantités d'or extraites et répertoriant le poids, l'origine des produits, les dates d'extraction et de vente des produits. Ce journal sera régulièrement visé et paraphé par les agents de la direction de la petite mine et de l'artisanat minier lors des inspections. Il est valable 5 ans à partir de la date de signature et doit être détenu sur le lieu d'exercice de l'activité et de stockage des produits. Alors, je ne vais pas revenir sur certains articles, mais je voulais seulement dire ceci. Il est dit que la société Stonegenics, ça c'est l'article 9, j'ai sauté les autres, la société Stonegenics SAS versera à l'État une redevance de 5% de la valeur marchande. Alors, caromine pratiquée sur le marché, sur l'établissement d'un état de liquidation par la Direction générale des mines. Le titulaire d'une autorisation d'exploitation, ça c'est l'article 10 maintenant, le titulaire d'une autorisation d'exploitation qui, au bout de 12 mois à compter de la date d'attribution, n'a pas commencé les opérations de développement, peut se voir retirer son titre par le ministre chargé des mines sans droit à indemnisation conformément aux prescriptions du code minier. L'article 11 précise que dans le cadre de la surveillance administrative, les agents de la direction de la petite mine et de l'artisanat minier procéderont à un contrôle semestriel du site d'exploitation et des dépendances. La société est tenue d'associer aux travaux d'exploitation minière les agents de l'administration des mines. Ils peuvent, à cet effet, exiger la communication du registre du journal nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Enfin, l'article 12, le présent arrêté enregistré, publié au journal officiel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville le 26 juin 2023. Pierre Aubin. Voici donc ce décret que je vous montre sur l'écran. Je vous montre la photo de Christelle Denis Sassou Nguesso en train de signer les accords avec cette dame, Madame Yvonne Mobiligi, le protocole d'accord entre le Congo et la société dénommée Massifield Ventures Congo Holding. Et ça, c'est une société qu'il a créée, qui est basée donc au Congo-Brazzaville, comme il a dit. C'est sur la construction et l'exploitation du port sec de Dolisie, dans le Niari. Et cette directrice, aussitôt s'est rendue d'ailleurs dans la Bouenza, où elle a rencontré le préfet de la Bouenza que vous connaissez bien, Choumou, le colonel éternel, le colonel, le menteur, celui qui a suivi l'enquête de, qui racontait n'importe quoi en 2015 justement, c'est pour ça qu'il a été récompensé pour être préfet. Parce que le changement de constitution, les manifestations qu'il y a eu, c'était lui qui était le porte-parole de la police. Je pense bien que Paulin Makaya se souvient très bien de lui. En tout cas, pour nous, nous apportons des preuves. Donc cette photo que vous voyez, cette dame, bon, parfois elle change, hein, vous voyez là sur la photo, elle est différente, mais en fait, vous la voyez, c'est une, peut-être pas tortue, mais en tout cas, c'est une hirondelle qui change de couleur.
Et nous allons également aussi vous parler d'autres choses, notamment ce que Kagame avait signé lors de sa visite d'État du 11 au 13 avril 2022. Et c'est là où on a parlé justement de ce protocole d'accord. En fait, c'était un mémorandum, il faut le dire, parce que ce mémorandum d'entente et de coopération dans les domaines divers de la vie sociopolitique, économique et culturelle et tout, donc dans l'ensemble, puisque, comme vous venez de le suivre, Christelle Denis Sassou Nguesso a parlé justement de ces 33 accords signés donc depuis qu'ils ont commencé en 2011. Et là, en 2022, il y a eu ces accords qui ont été signés à Brazzaville et d'autres qui ont été signés à Kigali le 22 décembre 2023. Donc voilà, c'est précis. Et ce sont ces accords-là que les Congolais veulent voir. En tout cas, vous avez eu la chance, je vous ai montré cet arrêté signé par Pierre Oba qui autorise à cette dame, Yvonne Mobiligi, d'exploiter de l'or dans la Sanga, 115 km². Sachez que lorsqu'on consulte bien le profil de cette dame, Yvonne Mobiligi, elle n'a pas une grande expérience professionnelle, comme d'ailleurs les Madame Françoise Joly. Ce sont des pions de Kagame, des espions qu'on nous envoie. La seule expérience professionnelle que Madame Yvonne Mobiligi a, qui est reconnue, c'est dans le groupe MTN, où elle a été gestionnaire de la fondation MTN et Communications Entreprises, qui est gérée justement par le groupe de FPR de Kagame. C'est dans ce sens-là, c'est une bonne élève, une bonne espionne, et d'ailleurs en ce moment, elle s'occupe de MTN Congo, c'est elle qui entend toutes les communications des Congolais, avec la complicité justement de Yvan Castanou, que vous voyez ici sur la photo avec Kagame lors de sa visite au Rwanda. Il a même fait des éloges sur le Rwandais. Voilà des Congolais qui sont au service d'une puissance étrangère, des tops, des espions. Et après tout, on va dire que c'est un pasteur. Pasteur de Magouille, oui. En tout cas, nous sommes là pour dénoncer les choses avec des faits, avec des preuves. Ce n'est pas des gens qui viennent raconter des choses d'une façon oiseuse. Et de par ma formation, par rapport à mon éthique, je ne peux dire que les choses qui sont prouvées, démontrées. Voilà. Nous continuons donc notre émission. Voilà. J'en ai terminé là. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Toujours sur le problème de la vente et de la cession des terres. C'est la vérité, maître Massengo Tchassi.